Alors, pour la vitamine du jour de ce soir et de demain, donc, je voudrais vous parler de John Henry Newman, qui est l'un des derniers saints canonisés dans l'Église par le pape François. C'est un grand anglican d'abord, qui a contribué au renouveau de l'anglicanisme en Angleterre au XIXe siècle. Il est né en 1801, mort en 1890, et en 1845, donc quasiment au milieu de sa vie, il est devenu catholique après toute une recherche personnelle extrêmement exigeante où il a suivi jusqu'au bout sa conscience alors qu'il ne connaissait à peu près aucun catholique, simplement sur la base de l'étude des pères de l'Église. Et voilà, il s'est laissé guider par le Seigneur. C'est une histoire magnifique. Il est devenu, selon Paul VI, le pape Paul VI, le principal inspirateur à un siècle de distance du Concile Vatican II. C'est le pape Benoît XVI qui l'a béatifié en Angleterre, j'avais la joie d'y être, en 2010. Et le pape Benoît XVI a cité aussi bien la veillée du samedi soir, qui est comme une petite veillée des GMJ, en plus petit, et le dimanche matin au cours de la messe de béatification, il a cité le même texte, parmi d'autres bien sûr, qui est une méditation sur Dieu mon Créateur. Absolument magnifique. Où Newman commence par dire « Dieu a créé tout être pour son bien. » Toutes choses pour leur plus grand bien. Et c'est lui qui connaît la voie pour arriver à notre bien, à notre bonheur. Alors, j'ai eu la joie de mettre cette méditation, assez fidèlement, la première partie de cette méditation, dans un chant, sur une mélodie faite par un confrère polonais de l'Emmanuel, Henryk Otremba. Dieu a créé tout être pour son bien, Dieu mon Créateur. Voilà, c'est le titre de la chanson et c'est la vitamine de ce soir et de ce jour. À très bientôt, bon dimanche. Dieu a créé tout être pour son bien, toutes choses pour le plus grand bien. L'envoi du bonheur est clinique pour chacun. Dieu connaît la voie qui mène au mien. Dieu m'appelle par mon nom, j'ai du prix à ses yeux. Il sait ce qui est bon pour moi. Mais moi je ne le sais pas moi-même je suis aveugle. Je dois m'en remettre à lui. J'aurai confiance, même si je ne vois pas. Sans ce qui m'arrive ici-bas, Dieu nous conduit par des chemins étranges. Tout ce que je vis peut le servir. Que je sois malade ou que j'ai la santé, que je sois tout seul ou entouré. Ce qu'il fait, ma vie est dans sa main, tout peut servir ses desseins. Dieu veut que je sois le maillon d'une chaîne, un ange de paix, un serviteur livré. Si seulement je gardais ses commandements, sans mettre son plan. Dieu m'a confié une mission précise, même si je ne la connais pas encore. Personne d'autre au monde ne peut prendre la place qu'il m'a préparée dans ses desseins. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Je t'adore, toi, mon Créateur. Tu es Seigneur.